Salut tout le monde, aujourd'hui on va se faire une bonne sortie avec de belles rails descendantes, vous allez voir tout ça dans la vidéo. Allez, c'est parti! Bon, quand ça commence bien, tu te prépares à faire une fortune, regarde bien si ça tient. Sinon, c'était retour maison, là c'est cassé. Retour de Fabien? Allez, ça part de là, après un petit kilomètre sur route pour s'échauffer. On est parti dans les singles, on verra comme c'est beau pour commencer. Oh putain, c'était pas la grande forme ce matin au réveil, mais ça se confirme. On n'a pas fait 600 mètres en single quand je suis déjà rincé. Puis ça va monter là en plus. Mais non. C'est chier. Avant à pied, je le doublais. Double-moi. Première descente. De peps aujourd'hui. Ça prend bien. Ouh, faut pas tirer tout droit. Attention vélo. Oh putain. Là, je me suis rattrapé, je sais pas comment. Je sais pas si vous l'avez vu en vidéo, mais l'avant il a complètement décroché. J'ai réussi à taper avec le pied par terre pour pas me coucher. Putain, ça glisse. Oh. Bon, c'est parti pour une longue montée. Pas gentil, fatigué. J'ai piqué le vélo à Jean-Louis. Petit essai du Cannondale Montera électrique. Un avion de chasse. Accélère, Bénichou! Allez, ah, ils n'avancent pas ces petits jeunes.
Bon, de retour sur mon vélo, ben tu voyais, mon ressenti sur les VAE était quand même un petit peu tronqué. Parce que la dernière fois que j'en ai essayé un, je faisais 6 kg de moins et j'avais une grande forme, c'était celui à mon père. Et je trouvais que même en écho, j'appuyais plus sur les pédales. Alors que là aujourd'hui, en écho, ça force quand même. Certes, je suis allé un peu plus vite qu'avec pour musculaire, de l'ordre de 3-4 km/h, mais j'ai quand même forcé. Oh, putain, je suis rincé les gars. Petit single descendant tranquille. Pour se refaire un peu à la banane. Attends, je vais te laisser passer. Parce que moi j'y vais tranquillou aujourd'hui. J'y arrive pas là aujourd'hui. Je suis pas à l'aise. Ça marche. Bon, moi je suis oxy là. On va subir tout le reste de la sortie. C'est bon! Juste technique comme il faut. Allez, c'est reparti pour une montée raide. C'est bien ça. Bien, bien, bien. Oh putain, attention à la branche sur le côté. Go! T'inquiète, c'est pour caler les deux. Ouh là là! Oh putain, déjà? Lâchez ça! Bon, après, tu me diras, c'est pas des plus tranquilles hein, pour descendre. Allez, c'est le départ. Woo!
Joli. Petit single chaotique en montée. Allez, on s'accroche. C'est génial. Génial, génial, génial. C'est pas fini. Avec la descente, elle était terminée. Mais non. J'appuie sur les pédales, je me force à essayer de coller au groupe. Ce sera toujours bénéfique pour l'entraînement. Allez, c'est parti pour la descente. Enfin, je pense. Faites gaffe parce que je commence à fatiguer. Violé par un porc qui pique. Oh putain, pas assez vitesse. Fatigue. Et non, peu plus. Ouh. Ouh. À se poser là pour filmer un peu. Ouais, ici, ça. Le beau François, c'est reparti. C'est de prendre un peu plus de vitesse malgré la fatigue. En restant prudent. Et voilà, on a terminé. Encore une bonne sortie. 33 800 mètres de dénivelé. Et des super descentes techniques. Et des copains. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Non, c'est François. Il joue parce que François, ça change. Merci. J'aurais jamais vu autant de guerres. Merci. Voilà, une bonne petite sortie. Petit apéro de la fin pour lui. Il n'y a plus qu'à se rentrer à la maison. J'espère que vous aussi ce week-end vous avez fait de belles sorties VTT. Allez, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.